Ce Sporting du Portugal a la réputation de marquer beaucoup de buts. Fillard avec une bonne balle. Une montée de Boli, c'est la première qui donne en profondeur pour Danio. But, oui. Sur ce centre de Danio et sur cette montée de Boli. But de Zarmak à la 17e minute. Juste au moment où il fallait, c'est-à-dire après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. On revoit Basile monter. Il va donner un ballon que Danio va récupérer et résister à la charge de Carlos Jorge. Et un centre tendu qui va récupérer Zarmak au second poteau. On le voit, Zarmak, il n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 17e minute, la JOCR a refait la moitié du chemin. Retard. Oui. Il reste donc Aidé Dubras là, qui est obligé de renvoyer son ballon vers Joël Batz. Vianache. Longue balle en avant. Danio. Zarmak. Attention, la lucarne. Un ballon perdu par Pacheco qui a récupéré Ferrer. On le voit, le ballon perdu par Pacheco, récupéré par Danio. Ballon et pied gauche. Un tir sensationnel dans la lucarne gauche de Damas. Un but remarquable. Le deuxième d'Andrei Zarmak. Un petit cafouillage. Et M. Pacheco dit à l'arbitre. Ils se sont aidés. Dubras. Carlos Javier. Pour Javier, du pied gauche à ras de terre. Et une balle que Charles plus exactement met en touche, en corner. Mais c'est vrai qu'on les confond vite. Hein, oui. Charles est barré. Ce qu'il ne voulait pas faire, mais là encore, il y a eu beaucoup d'efforts. Corner de Gabriel. Attention, tout seul Océano, en douceur. Et but. Et oui, but d'Océano à juste la troisième minute, deuxième minute de la prolongation. Oui. Océano qui met la balle pleine lucarne. Et là, ce n'est pas le fait du hasard, il a bien dosé son tir sur ce corner de Gabriel. Le ballon va au second poteau. Regardez comme il la prend bien en rupture cette balle pour la loger dans la lucarne. Petit filet et là évidemment les affaires. Et une petite main mais l'arbitre ne siffle pas. Oh là, quelle erreur due à la fatigue. Et contre-attaque en 2 contre 1 entre Manuel Fernandez et Litos. Il y a Boli qui est là. Paré revient mais peut-être un peu trop tard. Litos seul et marque le but égalisateur. Qui met les deux équipes à égalité 2-2. Rien à faire, bien joué de la part de Manuel Fernandez qui a bien vu Litos complètement débarqué sur une erreur au départ d'Auxerre. Une erreur de Charles, me semble-t-il. Jean-Luc Charles, oui. Et l'on revoit avec quelques difficultés ce but de